Et salut à tous, c'est Furious Lacan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew Hellrun. Alors je voulais faire une vidéo sur The Crew Hellrun, c'est pour vous montrer un peu toutes les nouveautés qu'il y a eu. Donc on va commencer avec une épreuve de Dragster. Alors le Dragster, c'est la voiture qui va super vite, hein. Je pense que vous savez. Donc je joue actuellement avec mon volant. Comme j'avais dit dans ma vidéo de présentation, jamais joué à The Crew avec mon volant, hein, je vous le dis tout de suite, alors je sais pas ce que ça va donner. Donc 3, 5, non, 4, 3, 2, 1. Ah mais non, c'est. Oh, bon bah, mauvais burn. C'est vrai, faut partir à 5 en fait, faut accélérer. Ouais d'accord, je fais n'importe quoi. C'est avec les palettes les vitesses. Hein. Hop. Alors là, je vous le dis, j'ai fait un mauvais run, mais vraiment abusé. Parce que là, comme je suis parti, et bon, ça va, il y en a 3 de run à faire. On va voir le temps que j'ai fait, mais à mon avis, il est pourri. Oh, on terminé. J'ai fait 21 secondes. Ouais, c'est vraiment pourri. Vraiment pourri. Désolé pour le bruit, je règle mon micro. Alors là, faut que j'accélère. Oh, j'ai trop accéléré, non. Weburn. Trop accéléré. Allez, c'est parti. Hop. 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 Nickel, parfait. Allez. On met le turbo. 513. Ça va pas aller plus de 513. Je m'améliore. Là, je pense que j'ai battu. Bah, c'est obligé, je pense. Hein. Sinon, c'est vraiment n'importe quoi. Run terminé. Et j'ai gagné 3 secondes. Donc, c'est pas mal. Ça me fait 17 secondes et quelques. Allez. Run 3 et dernier. Allez, je vais essayer de faire un. Non, 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 non. Redescends. Ah bon. Bon run. Bon burn. C'est déjà pas mal. Et hop, 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 je fais un bon, mais bon, c'est pas grave du moment que c'est pas mauvais, c'est l'essentiel. Allez, 519, on va pas à plus de 519, c'est déjà pas mal, 519 quand même. Alors, run terminé, j'ai gagné. Wow. Désolé pour les messages. J'ai gagné 668 millièmes, ou je sais même pas ce que c'est ça. Même pas des secondes j'ai gagné. J'ai gagné des millièmes. Bah, attendez, j'ai eu un message de. Je sais pas si vous avez entendu, mais bon, bref, on s'en fout. Alors, ça me fait monter mon niveau. Oh là là. Allez, hop, on met équipé. Là, c'est pour augmenter, en fait, vous gagnez des pièces pour augmenter la voiture. Enfin, vous devez savoir, je pense. Après, je pense, je sais pas ce qu'on peut faire. Je pense faire un petit d'entraînement de Monster Truck, je pense. Alors, la carte elle est super grande, donc pour chercher, je vous dis, c'est vraiment chaud. Et puis regardez, en couleur c'est ce que j'ai visité, puis en bleu c'est ce que j'ai pas encore visité. Donc vous voyez, tout ce qui me reste encore, c'est pourtant j'ai eu le jeu, je me suis acheté le jeu début. Je crois que c'était début avril, il me semble. Ouais, c'était début avril. Donc je me suis acheté parce que j'avais pas l'ancien, parce que l'ancien il m'intéressait pas. Et puis quand j'ai vu en fait qu'il y avait des nouveaux trucs, des nouvelles motos et puis tout ça, enfin des motos, ils ont rajouté plein de trucs. Moi j'ai dit bah je vais me l'acheter tranquille. Donc voilà.
Alors, je cherche un entraînement de Monster Truck. Il y en a un par là normalement. Ah là. Ouais, c'est bon, c'est ça. Alors, on va se voyage rapide. Ouais, se télé. On va se téléporter, hop. Alors, un petit temps de chargement. C'est normal parce que vu que la map elle est super grande, ça met du temps. Allez, hop. Nickel. Par contre, faut pas que j'accélère trop parce que. Voilà, regardez. Parce que ça fait. J'accélère un tout petit peu, ça y est, la voiture elle part. Alors, solo. C'est parti. Alors, j'ai jamais conduit le Monster Truck avec mon volant. Mais j'ai remarqué que même avec le joystick, la sensibilité du Monster Truck, il est vraiment abusé. Enfin, ils ont un peu. J'ai l'impression qu'ils ont. Comment dire, un peu merdé, on va dire c'est comme ça. La sensibilité du Monster Truck en fait. C'est trop pas réel en fait. Ok, allez, c'est parti. C'est wow. Alors déjà. C'est le choix à tourner, regardez. Hop, quand je tourne vraiment beaucoup, ça fait n'importe quoi. Alors. Ah non, on peut pas monter là? J'ai cru qu'on pouvait monter. Regardez, déjà il patine avec la pluie. Et on va prendre la rampe là. Un petit backflip. Backflip on the flip. Ah oh, mais oui, je peux pas avec mon volant. Et regardez la sensibilité du truc. Alors là, j'y vais doucement parce que j'ai pas envie de me coincer la route dedans. Après, on va aller. Ah, non, je suis tombé. Oh, je suis trop nul. Après, on va prendre cette rampe là. Regardez, hop, on peut faire des 3-6 et tout direct, normal, tu vois. Et en réalité, on peut pas faire ça, c'est impossible. La sensibilité des sauts et puis tout ça, elle est vraiment abusée. Regardez, hop là. Tiens, je vais aller dans l'eau là. Je crois que j'ai jamais vu ce que c'était. Ça sert à quoi? En fait, ça sert à rien, il y a juste de l'eau en fait. Ça bouge même pas le volant ni rien. Et hop. Regardez, hop. 6. Ah mince. Allez. Par contre, le machin, quand tu accélères et puis tu freines, après que tu accélères, il patine, mais. Trop. Hop, pas 3-6. Ah merde! Ah mince, désolé. Waouh! Je savais pas en fait que. J'ai cru qu'on pouvait aller dans l'eau et tout. Mais non. Enfin, aller dans l'eau. Je crois que c'était pas profond, moi. Non, non, non. Mais oh là. Je fais n'importe. Regardez la sensibilité. Hein. Je touche à peine le volant, je le tourne à peine, ça y est. Allez, remonte. Remonte. Bon, bah attends, je vais me laisser couler. Hop. Prendre cette petite rampe. Hop. Normal. Après, je pense qu'on va prendre celle en face. Hop. Ouais, le bug. J'ai eu un petit bug là, un moment de lag. Ouais, il y a une sorte de petit bug. Alors, hop, je vais. Non, je vais pas recommencer. Je vais continuer. Alors. Non, recule. Allez, hop, on va prendre cette rampe. On va faire un petit trou aussi, ça, je pense. Hop. Près des. On peut faire facile des 720 et tout. Avec le Monster Truck, je vous dis, on peut faire facile des 2 nets et tout. Là, j'ai plus le temps d'en faire, mais. Un jour, je vous montrerai. Parce que franchement, là, avec la sensibilité. Là, j'ai pas assez de temps, non. Avec la sensibilité du machin, c'est vraiment abusé. Allez, hop, continuez. Retour en mode free ride. Alors, on va, je pense que je vais changer de voiture et puis on va rouler un petit peu. Ouais. Je vais prendre, tiens, celle-là. C'est la sorte de Entity dans GTA. Regardez. Elle ressemble bien, mais je préfère quand même celle-là que dans GTA.
Elle est super belle, hein. J'adore. Regardez. Elle lui ressemble bien. Elle est vraiment belle. Alors attendez. Je vais régler vitesse manuelle parce que vu que je suis au volant, c'est mieux, je trouve. C'est un peu mieux, ça rend mieux. Alors hop, manuel. Ah mince, j'ai oublié de sauvegarder. Hop, sauvegarder. Voilà. Alors faut que j'accélère. Hop. J'ai mieux, mais après, par exemple, dans les virages, faut vite baisser en fait les palettes. C'est assez chaud. Alors si vous... Non, on prend pas le truc. Si vous voulez, je vous ferai des vidéos comme quoi pour trouver les pièces de voiture et puis tout ça. Parce que moi, je les ai pas encore cherchées en fait. J'en ai trouvé une ou deux qui étaient faciles à trouver, mais sinon j'avais pas trop envie. Puis... Mais là, vu que je pense... Si The Crew ça marche bien, je pense que... Oulala. Je pense que je vais vous montrer ça, les endroits où les pièces se cachent. Allez, allez. Wouah! Wouah! Oh, j'ai cassé mon véhicule. Ça m'a fait voler avec le trottoir. Donc voilà, c'est pas une voiture pour aller sur les trottoirs, celle-là. Alors après, je pense qu'on va faire... Je vais essayer de trouver un truc de drift pour vous montrer. Alors, drift. C'est où? Il y en a un où? Il me semble qu'il y en a dans les montagnes. Là. Donc, je vais pas me téléporter. Alors je vais me téléporter ici. Ah mais oui, je peux pas parce que j'ai pas encore découvert. Non, je peux pas. Non. Donc je vais me téléporter à côté, hop, ici. Parce que j'ai pas envie de me téléporter en plein dedans. Comme ça, on roule un peu. Puis ça fait découvrir un petit peu. Alors. Allez, spawn. Hop. Alors. Ça, c'est parce que je bouge pas, hein, c'est normal. C'est tout le temps comme ça, quand on bouge pas, et puis ça fait une sorte de menu comme ça. On va prendre un véhicule de raid. Regardez là, la Nissan Skyline, elle est trop belle, je trouve, j'adore. Mais je vais prendre celui-là, il va mieux. C'est le Ford je sais plus quoi, je sais même plus ce que c'est comme Ford celui-là. Et franchement, avec les deux pneus comme ça à l'arrière et tout, comme c'est que style, on peut le changer quand on crève et tout. Je trouve ça super beau. Oh, wow, wow, c'est bon. Allez, on est bientôt arrivé, je crois. Ouais, regardez le temps. Voilà, alors ça, c'est bien que ça arrive maintenant. Le temps en fait, il change comme ça. Que avant, en fait, il changeait pas. En fait, c'était dans les villes, ça pleuvait pas. Enfin, c'était bizarre, c'était mal fait avant. Et maintenant, vu qu'ils ont mis des nouveaux modes graphiques, et bah, ça va beaucoup mieux. Alors, je vous préviens, du drift, j'en ai jamais fait avec la manette et puis jamais avec le volant non plus. Donc, on va tester, mais je pense que ça me paraît dur. À ce qui paraît, j'ai des potes qui ont dit que le drift sur The Crew c'est super, super dur. Donc, on va voir ça. Ah mince! Attendez, je crois que je vais changer les vitesses. Je vais mettre automatique. Dans les courses, en fait, j'aime pas passer les vitesses. Parce que je préfère me concentrer dans la course que... Plutôt que pour les vitesses. Alors, hop, recommencer. On va recommencer. Je suis désolé pour ça. Hein. Mais bon, je préfère faire un truc un peu mieux. Au lieu de me planter dans les vitesses et puis tout ça. Allez, 3, 2, 1, go. C'est parti. Alors,
Ah ouais. Oh. Ah oui, d'accord. Ah ouais, eh, je tourne vraiment pas beaucoup le volant. Et eh ben, regardez ce que ça fait. Je tourne de quoi? De 20 degrés, même pas. Regardez. Hop. Ça fait n'importe quoi. C'est super chaud en fait. Je suis désolé pour le gameplay, mais là, franchement, s'il y a des gens qui ont The Crew, vous me direz dans les commentaires si c'est. Si vous y arrivez comme moi ou si vous êtes un peu mieux, un peu meilleur, parce que franchement j'ai l'impression que c'est incontrôlable en fait. Alors j'ai pas encore acheté de véhicule de drift parce que je trouve que ça sert à rien, et puis le prix, c'est, ils ont abusé sur le prix. Je crois que c'est 400 000 ou un truc comme ça, donc c'est vraiment cher. Donc si j'ai plein de pognon et puis à dépenser comme ça, d'accord, je m'en ferai un. Mais pour le moment, non, je m'en fais pas. Regardez, hop. Regardez, ça fait n'importe quoi, j'arrive pas, c'est incontrôlable. C'est incontrôlable. Regardez, hop. Bon, je pense qu'après, on va se laisser là-dessus ou. Je sais pas, gérer. Regardez. Regardez, j'arrive pas à contrôler, je fais des. J'essaie de contrebraquer, mais ça marche même pas. Regardez, hop. Je me bouffe le mur. Et surtout, ça a plu, donc ça glisse encore plus, quoi. Regardez, hop. Elle aurait pu être pas mal, celui-là, si j'aurais pas touché le mur. Il reste plus que 5 secondes. Là, c'est mort, le temps que je me remets droit. C'est fini. Et oui. Fini. Hop. Entraînement terminé. Alors, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Je vous montrerai mes véhicules prochainement et puis je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.